Vivre ou mourir
professent Dieu, mais qui ont prophétisé Dieu, ils sont comme vous. Ils sont morts juste parce qu'ils ont repassé dans leur cœur les choses qui les ont tués. D'autres qui ont réussi à accomplir de grandes choses, à marquer leur temps, à se distinguer, juste parce que ils ont compris que leur pensée a une force intelligente. Ils ont mis, ils se sont appliqués à mûrir, à repasser, à écouter de bonnes choses. Ils ont réussi. Tu vas réussir. Amen. Vivre ou mourir par ses pensées. Ce message est pour moi parce que je veux vivre. Amen. Ce message est pour toi parce que toi aussi tu as dit que tu veux vivre. Amen. Et si tu veux vivre, tu fais comme les gens qui vivent, tu vivras. Amen. Je lis dans Lamentations chapitre 3, le verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans ton cœur, tu as le pouvoir de le contrôler. Il y a certaines personnes qui pensent que le diable est tellement puissant que ils n'ont rien à dire par rapport à ce qui se passe avec eux. Non, 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 il n'y a rien comme ça. Jérémie dit, hein, je veux sélectionner les choses que je vais repasser dans mon cœur. Seigneur, donne-moi ce Jérémie ce soir dans cette congrégation. Des gens qui croient en l'avenir, des gens qui croient en leur rêve, des gens qui croient en ce qu'ils font, des gens qui croient qu'ils ont un pouvoir d'influencer ce qui leur arrive. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Mon cœur n'est pas un dépotoir où le diable a déposé du n'importe quoi. Mon cœur n'est pas un dépotoir, un stade. Et là, n'importe quoi va se jouer. Non, 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 non. J'ai le pouvoir de sélectionner ce qui va venir et ce qui sera repassé en mon cœur. Et voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Alléluia. Amen. Je veux repasser en mon cœur ce qui me donnera quoi? De l'espérance. Pendant que lui repasse en son cœur ce qui lui donnera de l'espérance de l'avenir, il y en a qui repassent en leur cœur ce qui les ramène en bas, ce qui les détruit, ce qui les tue. Et dit, moi, je veux repasser en mon cœur ce qui me donnera de l'espérance, ce qui me donnera de la vie, ce qui me donnera le bonheur, ce qui me donnera la santé, ce qui me donnera l'espérance, l'espoir. Mais il y en a qui passent, repassent en leur cœur ce qui va les ramener en arrière, ce qui va les détruire, ce qui va les tuer, ce qui va les ramener dans la bassesse. Mais je ne ferai pas partie de cette catégorie. Je ferai partie de ceux qui repassent à leur cœur les choses qui vont leur donner de l'espérance. Vivre ou mourir par ses pensées. Vivre ou mourir par ses pensées. Dans le livre de Job, chapitre 3. Job, chapitre 3. Vous comprendrez avec moi que nos pensées et ce que nous repasserons en nos cœurs, ce que
médite en toi. Ces choses ont la force d'influencer votre vie. D'influencer ta vie. Ça détermine quel type d'homme tu seras demain. Et quel type de personne tu seras demain. En réalité, aujourd'hui, vous êtes le produit de ce que vous avez pensé il y a de cela 5 ans, 10 ans, 3 ans. Si vous lisez dans le livre de Job, chapitre 3, vous conviendrez avec moi. Job, chapitre 3, j'ai dit quoi? Verset 25. Job, chapitre 3, lisez le verset 25 avec moi. La Bible dit quoi? Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, crains-le, c'est quoi? C'est penser que quelque chose de mauvais va m'arriver. Ou bien c'est pas ça? La crainte. Ce que je crains, quand je me mets, je pense, est-ce que moi, comme ça là, je vais pouvoir me marier un jour? Je ne pense pas que ça peut aller. Parce que moi aussi, un jour, je vais avoir la licence. Et tu penses, est-ce que avec Jésus là, je vais pouvoir quand même me tirer la main? Et tu ne passes ça dans ton cœur. Tu ne passes ça. Et puis à un moment donné, tu commences à être triste. Et la personne est seule. Personne ne fait rien faire. Tu te sers là. Tu l'appelles au téléphone. Sa voix, tu sens quelqu'un qui est malheureuse. Et tu as dit, non, sinon c'est moi-même. Toi seul là-bas. Ce que tu crains, ce que tu penses, ces choses vont te détruire. Mais je ne veux pas que tu sois détruit. J'en dis. Ce que je crains là, c'est ça qui arrive. Ce que je redoute, c'est ça qui m'atteint. Nos pensées déterminent ce qui nous arrive. Nos pensées déterminent ce que nous réalisons. Je vais vous le prouver très bientôt. Nos pensées détermine ce que nous accomplissons dans notre société, dans notre famille, dans notre communauté. Et ce soir, je veux que quelqu'un s'élève par ses pensées. Que personne ne prenne la décence par ses pensées. Mais que chacun prenne la montée par ses pensées. Plusieurs sont ceux qui ont ruiné leur vie par leurs pensées, par ce qu'ils produisent. Alors que vous verrez dans la Bible de grands espoirs, de grandes réalisations, de grands succès, juste parce que le gars a choisi ce qu'il va repasser en son cœur. Ce que nous pensons, c'est ce que nous confessons. Je répète. Ce que tu penses, c'est ça qui finit par sortir de ta bouche. Et ce que tu dis, ce que tu confesses, ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu penses, ce que tu te passes dans ton cœur, c'est ce que la bouche dit. Et ce que la bouche dit, c'est ça qui arrive. C'est pour cela ce soir, je dis vivre ou mourir par ses pensées. Je veux vous aider ce soir par certains personnages bibliques. Je pense que le temps me permettrait de lire beaucoup de passages. Mais commençons avec Nombre chapitre 13. C'est des passages que certains connaissent, mais il me semble qu'ils ne lisent pas
les détails. Et ce qui fait que quand même qui connaissent ce passage, leur vie, leur comportement est tout autre. Lisez Nombre chapitre 13, verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, qui parla? Éternel. Il parla à qui? Il parla à Moïse. Et il dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Pas que je donnerai, que je donne aux enfants d'Israël. Enfants d'Israël, en réalité, c'est déjà arrêté auprès de Dieu, par le vers l'Éternel, que le pays là, c'est déjà à vous, quoi. Mais ce que Dieu a déjà donné, ce que Dieu te donne, la femme qui te donne, le mari qui te donne, en réalité, ce que Dieu est venu chercher ce soir, l'Éternel dit, je te donne. Alléluia. Mais tu l'auras, ou bien tu ne l'auras pas. Dépendamment de quoi, les avancées, ce que tu penses. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Parce que, je n'avais pas de vie, il y a encore un peu. Les démons qui sont dans ma famille là, ils ne veulent pas me laisser passer. Mon frère, tu penses quoi ce soir? Quand tu es là, mais tu n'es pas là, mais il dit, je donne les enfants d'Israël, je donne Canaan aux enfants d'Israël. Maintenant, tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Maintenant, l'Éternel a parlé, Moïse a obéi. Lisez maintenant le verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Et il leur donna des consignes. Il leur dit quand ils iront, ce qu'ils devaient faire. Maintenant, lisez le verset 21. Ils montèrent et ils explorèrent le pays. Verset 22. Ils montèrent par le midi. Donc, nous comprenons qu'ils sont allés, verset 26 maintenant, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un bon pays. Un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais, pourquoi un mais encore là-bas? Mais le peuple qui habite le pays est puissant. Vous les avez testés avec moi. Quelle réalité. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée. Les Éthiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 31. Les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort
de nous. Verset 33. Nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Moïse leur a dit d'aller explorer le pays. Vous reviendrez, vous nous direz ce que vous nous avez vu. Mais si vous lisez le verset précédent, Moïse ne leur a pas demandé de leur dire si il peut vous montrer pourquoi. Il n'y avait pas ça dans leur cahier déjà. Ah, vas-y et dis-moi ce que tu as vu. Terminé. Maintenant, quand tu as vu, attention, tu veux noter ceci. Ce que tu vois affecte ta pensée, détermine ce que tu repasses en ton cœur. Ce que tu vois. Les gens qui ont vu la taille de Goliath, qui ont vu la posture de Goliath, ont dit à David, David, tu ne peux pas aller combattre ce monsieur. Ceux-ci disent, nous avons vu des géants. Et nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Te vois comment? Devant les sorciers qui sont en train de dessiner les gens qui t'appellent. Lui dit, moi je suis ce que tu penses quoi de toi-même? Ce que tu penses quoi de toi-même? Une sainte, un saint, un héros, un incapable, un puissant, quelqu'un qui peut quelque chose. Et dit moi, non, on ne peut pas là, on ne peut pas aller combattre là. Il y a des choses que tu ne feras jamais dans cette vie. C'est pourquoi, à cause de ta manière de penser. Et depuis qu'ils ont vu ces géants, depuis qu'ils ont vu ces gens qu'ils ont cités, qu'est-ce qu'ils repassaient en leur cœur? Ils repassaient quoi en leur cœur? Quelque chose pour leur donner de l'espérance? Ils repassaient en leur cœur? Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas là. Moi-même, je sais là. Moi-même, je sais que je ne peux pas. Et c'est ce qui me passait. Il me passait. Il me passait dans leur cœur. Et quand ils ont commencé leur rapport, Caleb a vite décidé ça dans leur propos. Depuis que tu as parlé là, est-ce que tu as parlé de Jésus? Est-ce que tu as parlé de sa sainteté? Est-ce que tu as parlé de sa beauté? Et quand ils ont parlé, lisez le verset 30. Verset 27 jusqu'à 30, verset 29, tu vois, ils sont en train de magnifier le diable. Et verset 30, maintenant, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, montons, en parlons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Caleb les a appris en même temps. Nous y serons vainqueurs. Moi, je pense que nous serons vainqueurs. Mais eux, ils disent quoi? Nous ne pouvons pas. C'est quoi? Il y a deux catégories de personnes ici. Il y a parmi nous ici des gens qui pensent qu'ils vont arriver au ciel. Il y en a qui pensent qu'ils ne peuvent pas. Quelle est la catégorie? Il y en a qui pensent qu'ils peuvent être guéris de leur maladie, même ce soir.
Il y en a qui pensent qu'il ne peut pas être guéri ce soir. Il y en a qui pensent que même ce soir, le problème du mariage sera décanté. Parce qu'il va bien. Parce qu'il y a beaucoup de célibataires. Mais il y en a qui pensent quoi? Nos pensées sont affectées par quoi? Ce que nous voyons. Aussi par ce que nous lisons. Aussi par ce que nous entendons. Verset 14, maintenant, chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Et tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse. Pourquoi ils murmuraient contre Moïse? Pourquoi ils sont désemparés? À cause de quoi? À cause du rapport qu'ils ont entendu. Ou bien à cause du rapport qu'ils ont lu. Il y a des gens, c'est RFI qui détermine leur façon de vivre. Écoutez-moi bien. Et ça, là, ce n'est pas moins que RFI. Ils ont décrit les choses excellentes comme ils ont fait. Et une fois qu'ils ont entendu ces rapports, ils ont repassé ces rapports sur leur cœur. Leur pensée a changé. Ah, nous ne pouvons pas. Si nous hasardons, nous allons mourir. Et ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Tu es ce que tu penses. Et tu accomplis ce que tu penses. Et je vais vous dire ce soir, vous pouvez vous distinguer par votre manière de voir les choses, par votre pensée. Vous pouvez vous distinguer. Vivre ou mourir par cette pensée. Lisez Nombre 14, verset 24 maintenant. Et parce que mon serviteur Moïse, mon serviteur Caleb, a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Pourquoi Caleb va posséder Canaan? Pourquoi ses descendants vont posséder Canaan? Parce qu'il n'a pas laissé ses pensées être affectées par ce qu'il a vu. Pourquoi celui-ci, au milieu de nous ce soir, sa condition de pauvreté va changer? Pourquoi est-ce que sa maladie sera guérie? Pourquoi est-ce qu'il va hériter les promesses de Dieu? Caleb, il a vu, mais il n'a pas laissé ça l'affecter. Il n'a pas repassé ça en son cœur, ce que les autres disaient autour de lui. Je prie Dieu de me donner une génération de jeunes, de gens qui croient qu'avec Dieu, ils peuvent faire de grandes choses. Et qui cessent de se voir des soucis. Il y a des gens, quand ils voient dans leur manière de parler, qui se font de qui ne fait que vous passer en son cœur des choses négatives. Il n'est jamais positif en son cœur. Ces pensées sont des pensées, et qui retrouvent les gens, des pensées de bassesse. Ils ne pensent pas comme des géants, des gens qui voient, mesurent le sommet de montagne. Ils ne gagnent là-bas, ils ne gagnent pas. Dieu dit, Caleb est différent des autres. Il est animé de notre esprit. Je prie que ce Caleb là-bas, qu'ils soient animés de notre esprit. Qu'ils soient différents des autres de sa famille. Des autres de son église. Il y a des gens qui vont à l'église, mais qui regardent en bas. Il y a des gens comme ça dans la société. Des gens comme ça dans le groupe musical, dans le groupe des décisions, dans le groupe pastoral. Ils ne regardent qu'en bas. Ils ne regardent qu'en bas. Ils ne regardent pas en haut. Ils ne regardent pas la grandeur de Dieu. Vivre ou mourir par
par cette pensée. Je vais vous faire voir les autres qui l'ont dit ne peuvent pas. Parce qu'ils ont pu d'agir. Et Dieu t'aide. Ben, je dis bien que Dieu t'aide. Amen. Les gens vont terminer mal juste à cause de ce qu'ils ne peuvent pas passer. Quand tu es seul, tu ne penses pas. Tu penses à quoi? À un avenir glorieux. C'est ça, ça va venir. Amen. À un mariage glorieux. C'est ça, ça va venir. À un succès glorieux, c'est ça, ça va venir. Mais si tu es là, tu penses, si toi aussi, un jour va venir, tu seras testé, on dira que tu as attrapé sida, tu as attrapé Covid. Et que bon, ça peut arriver que moi aussi, je tombe enceinte comme ça. Comment tu es là comme ça, tu penses des choses sataniques comme ça. Et tu es au milieu de nous. Lisez avec moi la suite. Non, chapitre 14, verset 12. Je peux lire à partir du verset 11. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croirait-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je frapperai par la peste. Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Verset 23. Tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père. Tous ceux-là qui m'ont méprisé ne le verront pas. Verset 36. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Qu'est-ce qui est arrivé? Il mourut. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Ils sont allés. Ils ont commencé à parler. Mais ce qu'ils ont dit, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas posséder Canaan. Ne peut pas hériter la promesse. C'est ça, non? Hein? Et c'est arrivé. Ce que tu penses, c'est ce que tu dis. Et c'est ce qui t'arrive. C'est pourquoi Jérémie a dit, moi, je vais repasser par mon cœur ce qui me donnera de l'expérience. Je ne vais pas penser comme toi. Amen. Je vais me distinguer comme Caleb. Et tu as vu que Caleb s'est distingué. Il était animé d'un esprit différent. Quand les autres sont morts, en réalité, par nos pensées, nous décidons d'exalter Dieu. Nous décidons de magnifier Dieu. Nous décidons de soumettre Dieu, de rendre Dieu grand ou petit. Quand ceux-ci murmuraient, Dieu dit quoi? Ils m'ont blessé, je suis blessé dans mon amour propre. Malgré tout ce que je leur ai fait, malgré tout ce que j'ai fait autour d'eux, pourquoi ils m'ont méprisé? Dans tes pensées, quand tu es seul, pendant que tu réfléchis à ton avenir, tu peux mépriser Dieu, tu peux diminuer Dieu, tu peux rendre Dieu petit. Quand le docteur a fait le rapport médical, tu peux rendre Dieu petit, le mépriser. Quand les parents ont commencé par parler autour de toi,
vont mépriser. Et parce qu'ils vont mépriser. Je vais les tuer, ils vont tous mourir. Ils sont morts, hein. Vivre ou mourir, pas ces forces. Mais regardez comment Dieu honore ceux qui ont été positifs dans leur pensée. Verset 24. Au verset 23, la Bible dit, les autres m'ont méprisé, mais verset 24, il dit, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Alléluia. Il a été animé d'une autre pensée. Il avait une autre mentalité. Quand je parle de pensée, je veux parler de ta mentalité. Et je vais t'amener ce soir à avoir une autre mentalité. Ne vois pas les choses comme les autres. Et tu auras ce que les autres n'ont pas. Alléluia, amen. Caleb a été animé autrement. Et Dieu dit, parce qu'il avait une autre pensée de voir, une autre façon de voir les choses. Je le ferai entrer dans le pays où il y a la vie. Comment Caleb voyait les choses? Lisez le verset 8, il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous donnera ce pays. Vous voyez ce qui veut passer en son cœur? Hein? Mes frères, allons-y, allons-y. L'Éternel nous sera favorable. Allons-y. L'Éternel sera. Hein? L'Éternel sera favorable. Il sera passé dans ce pays. Il pensait ça, il disait ça. Et puis finalement, je dis, je vais le faire rentrer dans le pays. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne comprennent pas le principe de la foi. Le principe de la foi, c'est que tu penses Dieu capable, favorable à toi. Et plus tu penses ça, tu finis par déclarer ça. Et c'est ce qui t'arrive. David était devant Goliath, les autres ont dit il ne peut pas. Il a magnifié Dieu, dit quand l'ours et le lion étaient venus, j'ai vu ce que Dieu a fait. Tout moi je peux. Et une fois que tu magnifies Dieu, tu ne le méprises pas, tu l'exaltes, il honore ta foi. Caleb va jouir de Canaan. Pourquoi? Parce qu'il avait une autre pensée. Tu auras une pensée ce soir. Amen. Tu ne mourras pas ce soir. Amen. Et c'est le verset 38. Verset 37, on dit les autres sont morts. Maintenant, verset 38 dit Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, restait seul vivant parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Pourquoi? Ils n'ont pas permis à ceux qui ont fait. Ils n'ont pas permis à ce qu'ils ont entendu. Ils n'ont pas permis aux réactions des gens de déterminer ce qu'on veut passer dans leur corps. Ce soir, ton miracle est entre tes mains. Écoute-moi, je ne vous trompe pas. Tes espoirs dans la vie sont entre tes mains. Quelle réalisation, ce que tu as accompli dans ce Dieu, sans en détail. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses comment? Tu penses que tu es un échec? Un raté? Un incapable? Et tu penses que, comme Paul dit, je puis tout par celui qui me voit. Voilà, tout. Il y a des manières que certaines personnes disent que non, moi je ne peux jamais faire. Tu sais quoi? Il a passé ça dans son cœur. Il a mis ça plusieurs fois. Non, vu ceci, vu, considérable. Et puis il dit non, moi je ne peux pas. Et c'est ce que ces gens sont faits.
Ils ont repassé ça, repassé ça, repassé ça, repassé ça. Finalement, ils disent non, je ne veux pas. Je veux, avant de finir, vous donner l'histoire d'une dame que vous connaissez. Mais il me semble que vous n'avez pas bien lu de cette dame. Si c'est vraiment ça, en lisant aujourd'hui, que son histoire te change. Que personne ne te trompe. C'est établi comme ça. Si tu es malade avant de venir ici ce soir, tu peux décider de venir guéri avant de sortir. Ça dépend de toi. Jésus, il est déjà là depuis. Et cette dame a voulu être comme Caleb. Cette dame a voulu se distinguer. Vous la connaissez. Lisez dans Marc, chapitre 5, verset 27. Vous connaissez l'histoire de cette dame. Cette dame qui avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et pendant que elle a entendu parler de Jésus, je vous ai dit quoi? Ce que tu entends affecte tes paroles, tes pensées. Elle a entendu que Jésus passait. Jesus is passing this way. This way. This way. Ayant entendu parler de Jésus, je vous ai dit dans le verset 25 et verset 26. Elle avait souffert d'une perte de sang pendant 12 ans. Elle a souffert entre les mains des médecins. Elle n'avait jamais d'issue. Et quand elle a entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule, pas derrière, et touchant son vêtement. Pourquoi elle est venue? Et pourquoi elle a touché son vêtement? Et ça, c'est un détail qui échappe à beaucoup de personnes. La Bible dit, elle disait à qui? À elle-même. Donc, en réalité, on doit dire, elle se disait, qu'est-ce que tu te dis, frère? Donc, sinon, dans ma famille, nous sommes tous trépanositaires, moi aussi trépanositaires, dans notre famille. Sinon, on n'a jamais le bac. Nous sommes maudits, quoi. Et puis toi, tu viens à faire le chien, tu dis des choses comme ça. Ma mère est morte prématurément. Mes soeurs sont mortes. Donc moi aussi. Donc je sais que c'est comme ça. Hey! La Bible dit, elle disait, qu'est-ce qu'elle disait? De bonnes choses ou bien de mauvaises? Des choses qui font monter, des choses qui donnent de l'espérance ou des choses qui donnent du désespoir. La Bible dit, elle dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement. Vous voyez ce qu'elle repassait dans son cœur? Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement mettre pied à Christ en fait, je serai guéri. Si je puis seulement. Et c'est arrivé. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Quel verset dit que si on touche au vêtement de Jésus, on sera guéri? Il y a un verset pour ça. Hein? Il y a un verset dans la loi de Moïse. Hein? Je t'ai dit, ton miracle, c'est entre tes mains. C'est ce que tu penses. Ce que tu dis. Ce que tu penses de toi. C'est ça qui va venir. Si tu te vois une grande évangéliste, c'est ça qui va venir. Si tu te vois un grand professeur, c'est ça qui va venir. Si tu te vois un conducteur de moto-taxi,
avec garde, maîtrise, ton master, les amis à venir. Qu'est-ce que tu penses de toi? Tu es comme les autres. Paul exhorte. C'est sur mon dernier verset, on va prier. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Il dit, au reste, frère, en conclusion, frère, demeurant frère, que ce qui est vrai, ce qui est honorable, et ce qui est juste, ce qui est pur, et ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce qui est pur. Ne va pas penser à comment le gars a fait pour draguer cette femme. Ne pense pas à des choses comme ça. Ne pense pas à ce qu'il a, comment il a fait, il a volé, et puis quand il a volé, et finalement, il a pu acheter une voiture. Non! Ne pense pas à des choses comme ça. Pense à Caleb. Comment il s'est distingué? Pense à David. Comment il s'est distingué? Pense à Esther, à Ruth, à Christian Jacob. Comment ces gens se sont distingués? Ils se sont fait un nom pour toute l'éternité. Pense à cette dame atteinte de peur de sang, elle n'avait même pas de nom. Quand tu es dans une société et puis on ne peut même pas t'attribuer un nom, c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment une situation de honte. C'est-à-dire que ta situation vraiment est méprisable. Et elle était dans cette bassesse, mais finalement, elle a marqué son temps. Tu penses? Image tu as de toi-même, sauterait ce soir, qu'est-ce que tu penses? Il y aura des professeurs qui vont te dire que toi là tu es nul, ne pense même plus continuer, tu es trop nul, va chercher un métier, tu vas apprendre. Moi j'aime entendre des paroles comme ça, et je vous dis, si tu ne veux pas que je te défie, ne viens pas me raconter que je ne peux pas. Parce que tu me donneras plus d'énergie, plus d'élan, en me disant que je ne peux pas. Je me suis toujours vu comme un conquérant. Je me suis toujours vu comme quelqu'un qui va marquer son temps, et marquer sa période, marquer sa génération. Je me suis toujours vu comme quelqu'un que Dieu va utiliser. Je me suis toujours vu comme quelqu'un que Dieu va bénir. Frère, qu'est-ce que tu penses de toi ce soir? Ce soir, il est question de vivre. Il est question de posséder les promesses. Il est question de conquérir par ce que tu penses. Ou bien il est question de mourir prématurément par ce que tu penses. Il est question de rater les promesses de Dieu par ce que tu penses. Il est question de rater ce que Dieu a dit sur ta vie, juste par ce que tu penses. La dame se disait, si je peux seulement le toucher, ça va venir là. Si je peux, si je peux. Ce soir, tu vas quitter ici, tu vas repasser de bonnes choses en ton cœur, au nom de Jésus-Christ. J'ai parlé sur quelqu'un, mais que ce quelqu'un se tient debout, on va prier maintenant. Alléluia, amen. J'ai pris beaucoup de temps pour te parler. Je veux que tu changes, c'est pourquoi. Je veux que tu changes. Ta pensée doit changer. Ce que tu repenses en ton cœur doit changer. Ce que tu repenses va changer. Tu dois penser autrement. Tu dois voir les choses autrement. Tu dois voir les choses autrement. Tu vas penser autrement.
Les gens disaient, nous, on ne peut pas. Les gens se disaient, Seigneur, est-ce que tu penses que tu peux? Est-ce que tu penses que tu peux? Bientôt, tu dis que non, on ne peut pas. Jésus, il se tenait. Non, moi, je suis sceptique. Il y a même qui disait, moi, le Seigneur, je suis incapable. Que moi, je ne peux pas, je ne peux pas. Dans notre famille, tout le monde est idolâtre. Donc moi, c'est le président de la famille qui me pousse. Il y a des gens qui disent tout le monde commet l'immoralité. Donc je l'ai invité de ma famille. Est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu penses de toi? Cette dame dit que si je le touche, c'est fini là. Je ne serai pas une femme malade, je ne serai plus une femme malade. Mais je serai guéri. Aujourd'hui, tu peux toucher Jésus. Il est dans cette salle. Il est dans cette salle. Change ta pensée. Pense ce que Dieu pense de toi. Caleb a pensé ce que Dieu pensait de lui. Il a dit, Dieu me sera favorable. Je vais repasser à mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Je vais repasser à mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Je vais repasser à mon cœur ce qui va me faire grandir, ce qui va me faire évoluer. Je vais repasser à mon cœur ce qui va me faire triompher. Qu'est-ce que tu repasses en ton cœur? Je serai guéri. Je suis guéri. Qu'est-ce que tu repasses en ton cœur? Qu'est-ce que tu repasses en ton cœur? Nous sommes dans le mois de septembre. Quelque chose peut arriver. Quelque chose peut arriver en ce mois. Ou bien tu dis non, là, l'année est déjà finie, c'est fini, j'ai déjà raté 2021. Comment tu parles comme ça? Comment tu parles comme ça? Tu dis ce que tu penses. Et ce que tu dis, c'est ça qui arrive. Dis quelque chose dans la prière aujourd'hui. Dis quelque chose dans la prière. Dis quelque chose dans la prière. Moi, mon miracle, c'est aujourd'hui. Ma fiancée, c'est aujourd'hui. Mon travail, c'est aujourd'hui. Et si tu peux le dire comme ça, dans cette prière, quelque chose va t'arriver. Personne n'avait prié pour Caleb. Personne n'avait prié pour David. Personne n'avait prié pour cette femme. Rebaka Tarawa Sheketereba. Rebaka Toyama Sheketereba. Je vais repasser à mon cœur les choses qui me donneront de l'espérance. Je vais repasser à mon cœur les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel. Je vais penser à sa capacité de guérir. Je vais repasser à mon cœur le rapport médical. Je ne vais pas repasser à mon cœur les sorciers, le nom des sorciers, les œuvres des sorciers. Mais je vais repasser à mon cœur ce que Dieu a fait, le jugement qu'il a infligé à Nebuchadnezzar. Il est un Dieu qu'on ne peut pas défier. Je ne veux pas te mépriser, Seigneur. Seigneur, tu peux me guérir. Seigneur, tu peux me guérir. Seigneur, tu peux me délivrer de cette situation. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. C'est ce que Paul a repassé en son cœur. Il dit, l'Éternel me délivrera. Et l'Éternel m'a délivré. Rabba Sheke Kalaba Moussa Kalababa. Il y a des gens ici, si tu me demandes, quand la trompette sort, est-ce que tu seras enlevé? Il dit, je ne sais pas. Quand tu lui demandes, est-ce que tu seras guéri de ma maladie? Ah, je suis entre les mains de Dieu. Ce n'est pas entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que tu dis qui va arriver. C'est ce que tu dis qui va arriver. Est-ce que tu seras l'accident? Il dit, ah, c'est entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que tu dis sur toi-même ce soir? Je ne mourrai pas. C'est ce que David a dit. Et il n'est pas mort. Personne ne l'a tué avant son jour. Ramaché Karamabo, Satarabo, Shikarabo. Rimakato Yamaché Karamabo, Yamabo, Sakarabo. Mando Yamabo, Shikarabo. Prie, 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 prie.
vivre mourir par tes pensées. Caleb a possédé de grandes choses. Il a possédé parce qu'il pensait que Dieu lui sera favorable. Seigneur, je crois que tu me seras favorable. En fait, ce que tu penses, ne passe pas dans ton cœur. Ça sera fait. Nom de Jésus. Bravo, Chicago. Rida Abama Chicago. Rida Abama Chicago. Tu vas posséder des promesses. La parole de l'Éternel s'accomplira. Dis de bonnes choses pour ma maman que je suis là. Je passe de bonnes choses. Tu es le produit de ce que tu penses. Amen.
Ces gens
rassembler. Parce que celui qui ne se voilera pas sauterait et qui se verra géant accomplira le travail et les œuvres des géants au nom de Jésus. Celui qui ne se verra pas malade, Seigneur, aura le témoignage des guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui ne se verra plus célibataire, celui qui ne se verra plus chômeur, il va marquer son temps. Amen. L'histoire retiendra son nom. Amen. Ma soeur, je te bénis ce soir. Amen. Mon frère, je te bénis ce soir. Amen. Je déclare que ce que tu penses arrive. Amen. Et ce que tu repenses en ton cœur arrive. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et quelqu'un dise Amen. Amen.